Bonjour à tous. Nous voici confortablement rassemblés et en toute liberté pour prier et apporter notre louange à notre Dieu. Cette action qui pour nous est une formalité hebdomadaire est un acte de bravoure pour certains de nos frères et sœurs à travers le monde. À l'invitation de Portes Ouvertes, du CNEF et de la Fédération protestante de France, nous sommes appelés aujourd'hui à penser particulièrement à nos frères africains qui subissent les attaques de groupuscules issus d'idéologies diverses. Dans un premier temps, nous aurons notre louange habituel tourné quand même autour de l'Église persécutée, et la prédication sera portée par Joël sur ce même thème. Nous terminerons par un temps de prière pour nos frères de l'Église de l'Afrique subsaharienne. Nous allons tout d'abord voir une vidéo qui lance cette journée. Vous êtes en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque. La joie est le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu. Et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Ayouba l'a vécue. C'est un chrétien nigérian, et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs. En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père. On demandait à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien et ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village.
J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père. Ayuba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes Ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'il puisse y recevoir soins et conseils. Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour, je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi. We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wing. Aussi, donc en plein dans le sujet, je voudrais lire avec vous le psaume 13 à partir du verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouirent en me voyant ébranlé. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je vous invite à vous lever pour le chanter, vous aussi. Je confie en ce temps.
souvent nous quitte, nous allons prier. Nous voici rassemblés, Seigneur, pour faire monter vers toi notre louange et notre adoration. Nous t'apportons tous tes enfants, petits et grands, dans la liberté ou dans les épreuves. Aide-nous à ne compter que sur ton amour et garde-nous chacun en ton amour. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Les enfants peuvent sortir avec leur moniteur. Nous continuons avec cet épisode d'Ésaïe 35 à partir du verset 3. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez le genou flageolant. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira. Aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Après les épreuves, il est toujours réconfortant de retrouver la joie. Après la nuit vient l'aube, et c'est toujours par la grâce de Dieu. Nous allons nous lever pour chanter « Je n'ai que toi ». Après cela, nous aurons un temps de prière libre. Je n'ai que toi dans le ciel.
Seigneur, nous voici tels que nous sommes devant toi. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci pour l'assurance que nous avons que tu es continuellement à l'œuvre à nos côtés. Nous te demandons pardon pour nos péchés, nos manquements, nos imperfections. Et nous te demandons de nous fortifier spirituellement afin que nous puissions grandir et marcher dans ta voie. Bénis chacun de tes enfants. Tu connais ceux qui traversent des épreuves, ceux qui sont sous le feu de l'ennemi, mais nous gardons la confiance en toi, sachant que c'est toi le maître du destin et le dispensateur de tous les bienfaits. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Puisse être heureux.
Seigneur, reçois favorablement toutes les prières qui sont montées vers toi, les audibles et les silencieuses aussi. Tu connais le cœur de chacun. Notre secours est en toi et c'est en cela que nous avons toute l'espérance de vaincre les épreuves. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter « Mon secours est en toi ». Avant de laisser la place à Joël pour le message.
tous. Chaque année, l'association Portes Ouvertes permet aux églises de mettre un propose aux églises de mettre à part un dimanche pour penser tout particulièrement à l'église persécutée, aux chrétiens qui sont persécutés dans le monde, et il y en a beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Donc c'est ce dimanche qui est mis à part pour cela. Ça nous donne l'occasion de penser, c'est vrai, d'une manière toute spéciale à nos frères et sœurs. Ce n'est pas la seule occasion. Nous pouvons y penser tout au long de l'année. Et à ce propos, je précise que Joseph envoie régulièrement des nouvelles de cette association de Portes Ouvertes qui contiennent chaque fois des témoignages toujours plus touchants les uns que les autres. Je pense que si certains sont intéressés, ne sont pas encore sur la liste, ils peuvent s'adresser à Joseph pour recevoir ces nouvelles. C'est possible. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous pensons encore tout spécialement à ces nombreux frères et sœurs qui vivent dans la souffrance uniquement pour la seule raison qu'ils croient en Jésus, uniquement à cause de leur foi. Et je vous propose de relire le psaume qui était proposé pour cette journée et que nous avons déjà lu tout à l'heure, le psaume 13. Je pense que ça vaut la peine de le réécouter, parce qu'il s'agit d'un cri que beaucoup élèvent vers Dieu aujourd'hui, mais que nous aussi, dans certaines circonstances, nous pouvons adresser à Dieu. Psaume 13, David écrit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée ? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ? Regarde, Éternel, mon Dieu, réponds-moi. Viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Sinon mon ennemi dira qu'il a triomphé de moi. Mes adversaires se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. Voilà, de l'amertume à la joie, c'est le titre qui a été retenu pour cette journée, c'est le thème qui a été choisi pour ce dimanche. Vous vous en doutez, ce n'est pas un thème qui a été trouvé par hasard. Bien sûr, c'est très concrètement l'expérience qu'ont fait certains de nos frères et sœurs persécutés et font encore aujourd'hui. Après avoir nourri des pensées, souvent des pensées de vengeance, bien compréhensible, il faut le dire quand même. Ils en sont venus, plusieurs d'entre eux, par la grâce de Dieu, par la seule grâce de Dieu, à faire ce cheminement extraordinaire jusqu'au pardon et à la paix, donc à la joie. C'est le cheminement bouleversant qu'on a vu tout à l'heure d'Ayouba, qui a été jusqu'à abandonner son arme, un jour à renoncer à la vengeance et à se tourner vers Dieu qui lui a donné la paix. Alors donc cette année, oui, nous sommes de nouveau invités à penser tout particulièrement à l'Église persécutée, comme on dit, mais nous sommes aussi donc invités à réentendre, à entendre de nouveaux témoignages, comme je le disais tout à l'heure, toujours tous aussi édifiants les uns que les autres, de nouveaux témoignages très forts, très stimulants de certains de nos frères et sœurs parmi eux. Alors la joie, on parle de l'amertume à la joie. La joie, il faut admettre, je pense, qu'elle n'est certainement pas toujours présente, même sans connaître la persécution,
comme certains la connaissent aujourd'hui, vous le savez. Je pense, par exemple, que nous pouvons être assez unanimes, j'imagine, pour dire que l'époque que nous vivons actuellement ne nous incite pas beaucoup à l'optimisme, quel que soit notre caractère, je pense, quand on voit tout ce qui se passe. Pourtant, la joie est bien mentionnée dans la Bible. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, lance cet appel, comme par exemple dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 4, nous lisons, Paul dit ceci, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » J'imagine que certains pourraient dire, c'est facile à dire. Hein. Mais c'est ce qu'écrit Paul, c'est ce qu'il me dit, à moi encore aujourd'hui, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Et effectivement, il l'écrit à plusieurs reprises, aussi à d'autres églises. Alexandre Vinet, c'est un théologien suisse, a écrit un petit livre qui s'intitule « La joie, notre devoir ». C'est intéressant, hein, rien que le titre. « La joie, notre devoir ». Et puis, le même auteur a déclaré un jour, « Une foi sans joie est un autel sans parfum. » C'est une belle image. Une foi sans joie est un autel sans parfum. La joie du chrétien, la joie du croyant. On peut poser la question, je pense, est-ce que la joie, en fait, est notre air de famille, comme on dit, à nous chrétiens. Est-ce que c'est ce qui nous caractérise? Est-ce que cette formule est juste? Vous savez, vous l'avez peut-être déjà entendue. Un chrétien triste est un triste chrétien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et puis, est-ce que le passage de l'amertume à la joie finalement n'est pas le cheminement de toute vie chrétienne, de chacun de nous. Alors que nous sommes passés par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à passer de l'amertume du péché, du mal, à la joie du salut. La joie du salut. David demande à Dieu dans son psaume, « Rends-moi la joie de ton salut. » Quelquefois, on a besoin que Dieu nous la rende, parce qu'elle est un petit peu... Donc, comment vivre ce cheminement de l'amertume à la joie? C'est un cheminement. La première chose qu'on peut dire, peut-être, c'est oser se plaindre. Vous allez me dire que ce n'est pas un conseil très spirituel, ça. Pourtant, je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter un petit peu. Dans les psaumes, nous trouvons beaucoup de passages, vous le savez, qui expriment l'incompréhension face à la souffrance, qui expriment l'amertume et même la colère, et quelquefois dans des termes très très forts, qui pourraient presque nous choquer hein, à certains endroits. Les mots « pourquoi », les mots « jusqu'à quand », on l'a vu tout à l'heure, sont bien souvent dans les psaumes, des cris de ceux qui souffrent. Comme David, on l'a vu dans ce psaume 13. Et puis, il y a un autre psaume intéressant à ce sujet, qui est le psaume 73. Alors, il est beaucoup plus long, on ne va pas le lire, mais il y a quelques paroles qui étaient inspirées de ce psaume tout à l'heure dans un cantique que nous avons chanté. Ce psaume 73 rend compte exactement du même parcours. Il s'agit d'Asaph, l'auteur, qui se désole en constatant que les méchants, ce qu'il appelle les méchants, ceux qui ne respectent pas Dieu, prospèrent, progressent dans leur vie, alors que lui qui est croyant, qui craint Dieu, qui est fidèle, souffre tous les jours. Et il avoue, donc au psaume 73, au verset 21, « J'étais plein d'amertume chaque jour, jusqu'au plus profond de moi-même. » Il dit, quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus, c'était très difficile.
et j'étais plein d'amertume. C'est quand même intéressant que dans la Bible, on trouve très honnêtement ce genre de confession. Hein. Ça nous rapproche, il me semble, des auteurs bibliques. On voit très bien, très réellement, ce que les uns et les autres ont connu. Et la Bible ne le cache pas, heureusement. J'étais plein d'amertume. Ça, c'est son expérience, Asaph. Et il me semble même que ces psaumes, quand nous les relisons, ils font un petit peu l'office de miroir hein, pour nous. On se retrouve dans les cris des psaumes, nos propres cris. Et c'est souvent très, très touchant. Donc, le premier point, accepter d'exprimer nos difficultés, oser les verbaliser, comme on dit aujourd'hui, oser exprimer ce qui nous fait mal, ce qui nous dérange, ce qui nous choque, ce qui nous scandalise même, ce qui nous révolte. Il faut le dire. Je crois qu'il vaut beaucoup mieux, je pense que vous serez d'accord avec moi, il vaut beaucoup mieux dire nos questions, nos perplexité et même nos révoltes, donc, plutôt que de les refouler et de les voir se manifester, ça c'est le risque, de les voir se manifester d'une manière qui ne fera de bien à personne. Vous savez, quand on fait l'effort de refouler quelque chose qui fait mal, quand on ne veut pas le dire, quand on l'empêche de sortir, ça sort d'une autre manière, hein, au moment où on ne le voudrait pas et quelquefois de la plus mauvaise manière. Donc, il vaut mieux exprimer, et avant tout, par-dessus tout, bien sûr, l'exprimer à Dieu lui-même. Dire à Dieu, la prière, c'est aussi fait pour ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire à Dieu? Si c'est le cas, c'est dommage. Parce que dans la prière, vous avez votre lieu de plus grande liberté. Il n'y a pas plus grande liberté que la prière. Vous pouvez dire à Dieu ce que vous ne pourriez dire à personne d'autre au monde. Donc, acceptons cette porte ouverte, cette oreille ouverte, si je peux dire, de Dieu. Disons-lui tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous dérange. Il faut le faire. Dans ce psaume 73, ce qui apparaît dès le début, vous le relirez si vous voulez, ce qui apparaît dès le début, c'est la difficulté du croyant, cet Asaph, qui n'arrive pas à trouver la réponse à ses questions. Il constate son incapacité à comprendre. Et je crois que cela aussi, c'est quelque chose que nous avons besoin d'entendre, de réentendre, et cela devrait nous rassurer, normalement. Oui, parce que nous ne sommes pas coupables de ne pas pouvoir tout expliquer. Vous savez, je pense que peut-être les chrétiens, on a un petit peu cette tendance quelquefois, parce qu'on est chrétien, parce qu'on est croyant, parce qu'on connaît la Bible, on devrait donner les réponses à tout. C'est en tout cas pas mon cas, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a tellement, tellement de choses encore auxquelles nous ne pouvons pas répondre, évidemment. L'incapacité à comprendre. Le psalmiste ici exprime cette incapacité, cette difficulté, justement. Il témoigne de ses doutes, de ses fragilités. Il reconnaît même qu'il a failli se perdre lui-même dans les méandres de ses angoisses. Il avoue qu'il n'était qu'un sot et un ignorant, suivant les traductions, vous verrez. Hein. J'étais un sot et un ignorant en me perdant dans ces méandres de mes pensées. Quand il se débattait tout seul avec ces énigmes insolubles. Ce n'est pas très encourageant, ce n'est pas très flatteur, mais je crois que c'est un constat, là encore, nécessaire. Parce que cette incapacité à comprendre certains événements de notre monde, et puis de notre propre vie aussi, ça fait partie de notre condition, ça fait partie de nos limites, et nous devons le reconnaître. Parce que le chemin de la foi, de la relation personnelle avec Dieu, passe aussi par le doute et même par l'angoisse parfois. J'espère que je ne choque personne. En tout cas, il me semble que nous devons être beaucoup à avoir fait cette expérience. La foi, la relation avec Dieu, oui, ça passe aussi par des moments de doute, même très profonds,
des moments de remise en cause, des moments d'angoisse. Qui n'a pas connu ça dans sa vie? Il me semble pouvoir dire en tout cas que ce n'est pas de tous nos doutes et de tous nos tâtonnements que nous devrions avoir honte. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas de nos doutes, de nos tâtonnements que nous devrions avoir honte. Et puis le point suivant, bien sûr, c'est accepter l'aide. Alors, ce n'est pas toujours facile. Probablement qu'il y en a qui y arrivent plus facilement que d'autres. Il y a des gens qui acceptent très difficilement l'aide. Hein. Ça dépend dans quel domaine, peut-être. Mais je crois que c'est une étape encore nécessaire dans ce cheminement. Accepter d'être aidé, accepter d'être éclairé, et puis attendre la réponse, avoir besoin de la réponse. Dans le psaume que nous avons lu, donc le psaume 13, David supplie au verset 4, « Regarde, Éternel mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. » Voilà encore une prière très honnête, très franche, et, j'allais dire très utile. Oui, une prière nécessaire. « Seigneur, regarde, viens, viens à mon secours, viens à mon aide, viens réparer, sinon le pire peut arriver. » Et Dieu le sait bien. Donc ça vaut la peine de lui dire, de lui confesser cela encore une fois. Et pour revenir à l'expérience d'Asaph dans l'autre psaume, 73, nous voyons que son incapacité à comprendre, sa foi vacillante, ses doutes, finalement l'ont poussé dans la bonne direction. Elles l'ont amené jusque dans le sanctuaire de Dieu. C'est l'expression qu'il emploie dans ce psaume. Elles l'ont amené jusque dans le sanctuaire de Dieu, comme il le dit, c'est-à-dire dans une relation plus intime, plus proche avec le Seigneur. Exprimer notre besoin, appeler à l'aide, nous conduit, si nous sommes vrais, si nous sommes honnêtes devant Dieu, nous conduit à une relation plus proche avec lui. Et finalement, Asaph, dans ce psaume 73, va recevoir une révélation qui est bien plus qu'une simple réponse à ces questions, qui va bien au-delà de, si je peux dire, de la sphère de ses problèmes dans lesquels il tournait en rond. Ce cheminement, c'est aussi, vous l'avez entendu, l'expérience d'Arubaïa et de bien d'autres aussi, qui ont accepté l'aide des autres, l'aide des missionnaires de portes ouvertes, qui ont écouté, qui ont accepté de passer des moments avec eux, et qui ont ainsi enfin pu trouver une issue. Une aide qui a permis à Ayuba de remplacer dans son cœur le désir de la vengeance par le pardon. Ça, c'est un miracle. Accepter l'aide, je crois que c'est reconnaître sa pauvreté. Je me souviens de quelqu'un dans un stage qui nous disait « il faut savoir faire l'apprentissage de sa pauvreté ». Je n'ai jamais oublié et je n'ai jamais terminé cet apprentissage. Accepter l'aide, c'est se reconnaître spirituellement pauvre. Comme certains traduisent, vous savez, la première béatitude de Jésus, dans Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit, mais heureux ceux qui se sentent, ceux qui se savent spirituellement pauvres, pauvres en esprit. Je crois qu'accepter l'aide, c'est faire cette démarche, accepter cela. Et si on fait cette démarche, alors on se met sur le chemin des heureux, comme le dit Jésus. Heureux ceux qui se ressentent comme tels. Nous sommes sur le chemin des heureux, c'est-à-dire, bien sûr, sur le chemin de la joie. Et puis, la dernière étape, bien sûr, c'est recevoir la réponse. Quand on la demande, on l'attend. Et puis la Bible nous le promet, quand on l'attend, on reçoit. Celui qui demande, reçoit. Recevoir la réponse, c'est-à-dire vivre la joie. C'est la fin du psaume que nous avons lu, du psaume 13, et qui résume, je crois, très
d'une manière lumineuse l'aboutissement de ce cheminement. Au psaume 13, verset 6, c'est la fin. « Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. » Après les pourquoi, après l'incompréhension, l'amertume, après les difficultés, les douleurs, il y a, quand on s'attend vraiment à Dieu, l'affirmation joyeuse de la confiance et de la paix. Ça, c'est un encouragement pour nous tous, j'espère. Et bien sûr que cette transformation ne peut être que le résultat de l'action de Dieu. Ce n'est pas possible autrement. Parce que la joie, déjà, vous le savez, la joie, c'est aussi le fruit de l'Esprit, du Saint-Esprit. La joie en nous, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et parce que dans la souffrance qu'il permet, Dieu se révèle, comme il l'a fait pour les psalmistes, comme il le fait pour nos frères et sœurs dans la souffrance, comme il le fait pour chacun de nous, dans toute situation difficile. Quand nous souffrons, quand nous traversons ce qu'on appelle quelquefois un tunnel sombre, au bout de ce tunnel, il y a la réponse. N'en doutons pas. Au bout du tunnel, mes amis, il y a la réponse. Dieu le promet, parce qu'il se révèle, et il se révèle dans le cheminement difficile, dans la souffrance, à travers la souffrance. Il est intéressant de faire le rapprochement entre l'expérience de Job, que l'on connaît bien aussi, et celle d'Asaph dans ce psaume 73. Vous savez, Job, à l'issue de son épreuve tellement douloureuse, tellement incompréhensible, tellement inexplicable, Job, et on l'a déjà dit et on le redira toujours, c'est intéressant, ne reçoit absolument aucune réponse, aucune explication à ses questions, et il en a, lui aussi. Job n'a eu aucune explication au sujet du mystère de sa souffrance, qui a duré. Et il n'y en a pas dans tout le reste de la Bible, d'ailleurs. La Bible n'explique jamais clairement pourquoi. La Bible ne répond pas à tous nos pourquoi. Mais elle ouvre nos yeux, Dieu, par sa parole, ouvre nos yeux sur une réalité qui dépasse le cadre de nos pourquoi. Il va plus loin, il nous emmène plus loin. Et dans le psaume 73, l'aboutissement de la réflexion du psalmiste porte sur le sort final des méchants, que Dieu punira un jour et qui disparaîtront. Ça, c'est un élément. Mais ce n'est pas l'explication ultime, si je peux dire. Ce n'est pas l'explication suffisante qui résout tous les problèmes. Elle n'est pas la seule conclusion du psalmiste. Et probablement pas, certainement pas, la plus importante. Vous savez, ce qu'Asaph finit par confesser à la fin de ce psaume, ce n'est pas « maintenant, enfin, je comprends tout ». Non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que la satisfaction d'un homme qui est enfin sorti du tunnel. C'est la révélation que Dieu lui a donnée. Et cette révélation que Dieu donne à Asaph est aussi particulièrement lumineuse. Il dit à la fin du psaume, « Je suis toujours avec toi. » C'est ce que Asaph dit à son Dieu. « Tu m'as saisi par la main ou la main droite. Tu m'as conduit selon ton plan. Puis tu me recevras dans la gloire. » Ça c'est une révélation. C'est, encore une fois, je le répète, bien plus qu'une réponse à ces questions. C'est une révélation lumineuse qui lui ouvre bien plus que l'horizon de ses propres problèmes, de ses propres difficultés, qui lui ouvre l'éternité. Dieu nous donne des réponses qui vont beaucoup plus loin que nos problèmes du moment, même quelle que soit leur importance. Mais il répond à ses problèmes dans son amour, mais il élargit, il va beaucoup plus loin et il nous amène avec lui jusque
à la perspective de l'éternité. Tu me recevras dans la gloire. J'aime à penser, mes amis, que quand Asaph a écrit ça, il souffrait encore. Je n'en ai pas la preuve, mais je le suggère. Quand il a dit ça, il était peut-être encore dans la difficulté. Il n'avait pas tout résolu. Mais par la foi et à cause de la révélation que Dieu lui a donnée, il peut affirmer « Je sais que tu me conduiras par ta main jusqu'au bout et tu me recevras avec toi dans la gloire. » C'est ça la foi. Ça, c'est la foi que Dieu donne. On ne peut pas la fabriquer, nous, cette foi-là. Par cette profession de foi, le psalmiste, ici, affirme enfin que la grande réponse pour lui, la réponse au-dessus de toutes les réponses attendues, c'est la présence de Dieu dans sa vie. « Je suis toujours avec toi, tu m'as saisi par la main. » De la même manière, vous le savez aussi, Job a fini par s'écrier cette confession magnifique. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu, dit Job à Dieu. Le psalmiste reconnaît la proximité de Dieu à ses côtés, à chaque étape de son parcours, aussi chaotique qu'il puisse être. Alors je crois que ce témoignage est pour nous l'affirmation, une fois de plus, que tout est bel et bien entre les mains de Dieu. Que lui a les réponses, qu'il n'est pas obligé de nous fournir d'ailleurs, dans tous les détails, mais lui a les réponses, et puis sa présence est assurée pour nous, même lorsque nous nous laissons envahir par le doute, même lorsque nous sommes au sein de la souffrance et du doute, sa présence est toujours là. Il ne manque jamais à ses promesses. Ça veut dire que nous restons dans nos limites, nous restons capables de faiblesses, de chutes, nous pourrons peut-être vaciller encore demain, mais quoi qu'il arrive, Dieu est là, présent et agissant souvent à notre insu. Encore la fin du psaume 73, verset 26. « Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher, le bien précieux pour toujours. » Dieu reste mon rocher. Le rocher, c'est une image très forte dans la Bible, hein, vous le savez. Et comme quelqu'un disait, « Moi, je peux trembler de tous mes membres, mais le rocher, lui, sur lequel je suis, ne tremble pas. » Le rocher, c'est l'image de notre Dieu fidèle et présent dans notre vie. Et puis j'aimerais terminer ce moment par le témoignage d'Awel. Nous l'avions aussi dans le document envoyé par l'association Portes Ouvertes, un frère éthiopien qui a beaucoup souffert, lui aussi, qui a passé 15 années de sa vie en prison à cause de sa foi, et qui a tout perdu. À ce sujet, j'ai pensé à une parole de l'apôtre Jacques, vous savez, dans sa lettre, qui dit ceci. Jacques, au chapitre 5, verset 13, écrit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. » Alors, je ne sais pas comment vous entendez cette parole, mais ce conseil de Jacques, cette exhortation de Jacques, n'est certainement pas un commandement à prendre à la lettre d'une façon automatique, si on peut dire. Et en lisant le témoignage d'Awel, je vous laisse admirer avec moi comment lui a appliqué cette parole de Jacques d'une façon absolument bouleversante. Voici ce qu'il écrit, c'est le témoignage de cet Awel, ce frère éthiopien. Après son temps d'emprisonnement, son épreuve qui dure,
Quand je suis persécuté, je me dis que cela vient de Dieu. Et quand Dieu me délivre, cela vient aussi de lui. Dieu est bon en toutes choses. Donc, quand la persécution vient, je chante. Et quand Dieu me délivre, je chante aussi. J'ai un chant pour chaque circonstance. C'est un miracle pour moi. J'ai perdu tant de choses, ma femme, mes enfants, mes biens, et encore aujourd'hui tant de persécutions m'entourent. Mais je suis heureux. Je me réjouis à cause de Christ. Tout ce que j'ai perdu est de ce monde, mais ma joie est au ciel, dans ce qui est éternel. La plus belle des guérisons est la guérison de l'âme. Quand nous lisons un témoignage comme celui-là, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais je le trouve évidemment bouleversant, et puis cela me renvoie à mes petites expériences à moi, et cela me met devant la réalité de ma propre foi. Est-ce que moi, aujourd'hui, je suis capable de chanter quand je souffre? Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je ne vais pas faire de confession ni de vous demander des aveux, mais je vous avoue que c'est encore quelque chose de très difficile pour moi. Et c'est ce que ce frère a réussi à faire. Quand il est dans l'épreuve, il chante. Quand il est dans la joie, quand il y a la réponse de Dieu, il chante. Jacques dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, quelqu'un est dans la joie, qu'il chante, lui, il chante dans tous les cas. Il prie aussi, évidemment. Ça, pour moi, c'est un cheminement qui me bouleverse, parce que c'est un miracle. Je suis persuadé que Satan ne peut pas imiter en aucun cas. Vous le savez, comme moi, il y a des choses, on le voit dans la Bible, dès le début, il y a des choses que Satan, que le diable, imite quelquefois. Hein, vous savez, dans l'histoire du peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, les magiciens en Égypte, ils ont réussi à faire certaines choses jusqu'à un certain point. Et après, c'était fini. Donc, vous le savez, dans toute l'histoire, c'est une de ces tactiques du diable, de Satan, d'imiter Dieu jusqu'à un certain point. Il y a des choses qu'il est totalement incapable d'imiter, heureusement. Mais celle-là, entre autres, une transformation du cœur à ce point-là, jusqu'au point où un homme qui souffre et qui a tout perdu est capable de dire aujourd'hui, dans cette situation, je chante et je rends gloire à Dieu. Ça, c'est un miracle. Merci Seigneur pour des miracles comme ça qui ont lieu encore aujourd'hui. Et je crois que notre seule prière, c'est Seigneur, accorde-nous une foi comme lui, à chacun. Que la joie soit notre partage, soit notre manière de vivre grâce à Dieu et sans jamais retourner à l'amertume. Que la joie soit un point de non-retour pour nous. C'est un vœu. Je vous propose maintenant de chanter encore un chant ensemble avant de laisser la place à Joseph. Vous venez d'entendre que Dieu est fidèle dans ses engagements et nous allons nous lever pour chanter que Dieu est fidèle et qu'il ne change pas. Thank you.
invite à prendre place. Nous allons continuer notre journée concernant l'Afrique subsaharienne par une vidéo qui lance la campagne contre l'Afrique unie contre la violence. Et après cette vidéo, il y a Claudine qui nous chantera le psaume 13 en swahili. Voilà. Tu peux venir, Claudine? Merci beaucoup pour la parole et je vais profiter vraiment de cette semaine du 12 au 19 septembre et novembre pour cette prière de l'Afrique unie contre la violence. Les continents africains en général et l'Afrique subsaharienne en particulier passent depuis quelques années par des moments très 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 difficiles de violence, particulièrement la République démocratique du Congo, ce grand pays qui est au cœur de l'Afrique, qui depuis plus de 20 ans maintenant est dans la guerre et ça ne finit pas. Et ce qui est fort dans ces pays d'où je viens, c'est que malgré toutes ces années de guerre, les chrétiens ont comme une espérance, en quelque sorte, une espérance de fer qui fait que les Congolais sont toujours joyeux dans les chants, dans les louanges et dans l'adoration des dieux, malgré les bombes, malgré les viols, parce qu'il y a aussi cette arme qui est utilisée contre les femmes chrétiennes en particulier, qui est le viol pour les traumatiser. Et après chaque événement, on continue à prier, on continue à louer et à chanter encore. Et les psaumes 13, justement, on ne les dit plus au Congo, on les chante. Parce que c'est un psaume sur lequel chacun des Congolais s'appuie vraiment pour garder la foi en Dieu malgré les violences et les guerres. Et donc j'ai à cœur de vous chanter ces psaumes si vous voulez bien. Nina potanga tanga mbali ya njia zako. Usiniache yawe, uninyoshe mkono. Atalini yawe utanisahau hata mwisho. Atalini utanifichia uso wako. Angazia macho yangu nisilale kifoni. Adui yangu asiseme nina mshinda. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho, kama mwanzo na daima na milele. Amen. Ninapotanga tanga mbali ya njia zako,
usiniache Yahweh, uninyoshe mkono. Merci. En République démocratique du Congo le 20 décembre normalement, et il y a un pasteur, Denis Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est gynécologue qui a consacré sa vie à réparer les femmes violées et qui est candidat aux élections présidentielles. Quand un pasteur devient président, ça veut dire qu'au fond de lui, il y a cette... ce besoin de faire vraiment de ces pays un pays chrétien et un pays qui croit en Dieu. Donc, si vous pouvez prier pour ces élections. Merci beaucoup. Oui, alors... Portes ouvertes, c'est une organisation non gouvernementale qui a pour but essentiellement de soutenir l'Église persécutée partout dans le monde, apporter une formation pour les disciples, soutenir moralement et spirituellement et psychiquement aussi les personnes persécutées. Dans ce but, si vous pouvez aider Portes Ouvertes et à la possibilité de faire un don, alors avec 10 euros, vous permettez d'imprimer des manuels à destination des responsables d'église. Avec 60 euros, vous offrez une formation à deux responsables d'église. Avec 100 euros, vous favorisez l'accompagnement de plusieurs responsables d'église engagés dans la formation des disciples. Vous avez pu remarquer que sur certaines chaises, il y avait une feuille qui était réservée à un membre de l'église persécutée. Donc, vous avez vu qu'il y a des feuilles au dos des chaises, mais comme il n'y a pas assez de place pour mettre tout le monde, donc on les occupe. Voilà. Il y a aussi des sujets de prière. Il était prévu de faire un arbre de prière, mais comme je ne sais pas dessiner, je ne l'ai pas fait. Mais s'il y a quelqu'un qui peut dessiner un arbre, j'ai des feuilles sur lesquelles vous pouvez marquer une prière, un encouragement quelconque. Je vous les distribuerai et dimanche prochain, on essaiera de mettre les feuilles sur l'arbre. Voilà, dans une semaine, on aura bien dessiné l'arbre. Donc, ceux qui veulent, je vais vous donner. J'en ai pas pour tout le monde, mais je peux vous l'envoyer par mail avec le fil rouge. Donc, dimanche prochain, on va essayer de bâtir notre arbre. Et après, ces feuilles de prière seront envoyées à Portes Ouvertes, qui les mettra dans un calendrier de prière. Je vous invite à un sujet de prière pour l'Afrique. Donc, on va marquer un temps de prière pour cette journée. Concernant l'Afrique subsaharienne. Voici quelques sujets. Merci Seigneur d'avoir transformé le cœur d'Ayouba. Merci d'avoir éradiqué les racines d'amertume afin qu'il connaisse pleinement les effets de ta grâce. Seigneur, nous te demandons de subvenir aux besoins de Gerti et de ses enfants. Soulage la douleur causée par ses blessures physiques et psychologiques. Nous te prions, notre Dieu, pour
de fortifier le pasteur Jean. Donne à cet homme de retrouver pleinement ses fonctions pour partager ta parole et permettre à l'Église de continuer de briller au Nigeria. Nous prions aussi pour que Dieu relève toutes les jeunes filles qui ont été enlevées et qui ont connu un parcours similaire à celui de Marie. Nous te demandons, Seigneur, d'entourer toutes les familles où arracher une fille et accorde-leur la paix en sachant que tu es souverain en toute situation. Nous allons prendre un temps de prière libre pour porter nos frères et sœurs au pied du Seigneur. Oui, Seigneur, tu connais la situation partout dans cette région du monde, l'Afrique, où il se trouve plus de chrétiens que partout dans le monde. Cette Église qui souffre, mais qui se relève et qui continue à avancer. Merci Seigneur d'écouter nos prières. Aide-nous à vaincre aussi à traverser les persécutions que nous pouvons rencontrer, en gardant les yeux fixés sur toi, en ayant toujours confiance en ta présence, en ta fidélité envers nous. Amen.
remercions, Seigneur, de nous avoir permis de mettre à part ce moment pour penser à nos frères persécutés à travers le monde. Nous te demandons de les garder, de les fortifier, de les encourager, de nous encourager aussi à suivre leur exemple, à ne pas nous laisser abattre par les épreuves et à garder toujours les yeux fixés sur toi, le dispensateur de tous les bienfaits. Que la paix et ta joie soient dans notre cœur. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Cette année, Portes Ouvertes a choisi comme emblème cet arbre majestueux que nous avons eu en présentation. C'est un camphrier du Nigeria. C'est un grand arbre à feuilles persistantes qui peut atteindre 30 mètres de hauteur. Et en parallèle, c'est l'église d'Afrique subsaharienne où il y a plus de chrétiens en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Le camphrier pousse dans la brousse, sur le bord des routes, quand les autres arbres se sont flétris et sont morts. Et l'Église fait preuve de résilience face à une persécution violente. Les feuilles brillantes du camphrier dégagent une odeur de camphre quand on les écrase. Soumises à une pression extrême, les chrétiens continuent de suivre Jésus avec foi et espoir. Les racines du camphrier s'enfoncent profondément et dispensent une ombre bienfaisante. L'Église est ancrée profondément et s'étend, partageant l'amour de Dieu à toutes les nations. Je vais passer pour la suite du coq à l'âne. Je passe aux offrandes. Pour l'offrande pour l'église, vous avez à votre disposition des urnes à la sortie aux deux portes. Et ensuite, les annonces pour la semaine. Pour aujourd'hui, à 11h30, bon, c'est l'heure. Vente des madeleines par les jeunes pour aider à financer le week-end à la Costette. Et ils sont déjà partis à la Costette, mais il n'y avait pas assez d'argent. Ils ont fait un prêt pour aller à la Costette, donc il faut financer. À 12h, culte pour les jeunes. Mardi, il y a la leçon de français pour les débutants à 14h. À 15h, la conversation en français. À 18h, réunion de prière ici même. Jeudi, à 14h, étude biblique, acte 12. À 15h30, la leçon d'anglais. À 20h, groupe de maison de Roumanie. Et à 20h, étude biblique à la force. C'est acte 2 pour la force. Vendredi 17, à 10h30, AFG, chez Peter. Samedi 18 novembre, à 19h, répétition du groupe de louanges. 19h ? Alors, dimanche 19 novembre, culte spécial avec le groupe de jeunes et témoignages de nouveaux membres qui ont rejoint l'Église. Notre culte tire à sa fin. Je vais vous laisser pour cette prière en conclusion de la journée, la prière écrite par C'est une prière écrite par Mehdi Djilbaj, un chrétien iranien emprisonné et condamné à mort en raison de sa foi.
C'est aux humbles que Dieu accorde sa grâce. C'est dans le feu que l'or est purifié. C'est le polissage et la taille qui rendent le diamant brillant. C'est à haute température que la rouille du pot est brûlée. C'est par la porte étroite que nous entrons dans le royaume des cieux. C'est dans de très grandes épreuves que naissent les hommes et les femmes de Dieu. Seigneur, fais de moi un tel homme ou une telle femme. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter deux cantiques à la suite. Jour de joie, jour de victoire, et ensuite victoire au Seigneur de la vie. Avant que nous commencions, si il y a des personnes qui veulent faire un don, j'ai des bordereaux pour faire les dons.